Hey tout le monde, c'est Striptease, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée et aujourd'hui eh bien écoutez, vidéo sur Halo The Master Chief Collection pour eh bien une vidéo un petit peu spéciale. Alors avant de commencer, je tiens à dire que je fais cette vidéo parce que tout simplement j'avais plus trop d'idées, parce que concrètement là en ce moment je suis sur Bloodborne et que j'arrive pas à le... enfin je mets du temps à le terminer et du coup la vidéo test elle met un peu de temps à arriver. Donc je me suis dit on va s'amuser un petit peu, on va aller sur la MCC et on va faire un truc que je vous ai jamais trop montré en fait en vidéo, alors que pourtant je suis fan de Halo, je vous ai montré, je vous ai fait tous les Halo en let's play, mais il y a un truc dont on n'a pas trop parlé, c'est le lasso. Alors qu'est-ce que c'est que le lasso? Donc dans Halo il y a un principe, hein, c'est que vous avez, donc tous les Halo ont 4 modes de difficulté, donc facile, normal, héroïque et légendaire. Et le principe du lasso, c'est de faire le légendaire avec tous les crânes activés, les crânes négatifs, puisqu'en fait, dans chaque halo, vous avez des crânes à ramasser qui vous octroient en fait différents, qui changent le jeu un petit peu. On va aller voir un petit peu vite fait ce qu'il y a en termes de crânes, hop, sur Halo 2. Et donc, en gros, des crânes bien bâtards du genre, on va vous montrer ça, hop, on va enlever ça et ça, et on va mettre... Alors, imaginons celui-là... Qu'est-ce qui s'est où marqué? Ah oui, c'est là. Donc là, eux, ils tirent plus vite. Les ennemis tirent plus vite. Tous les ennemis... tous les ennemis sont... Putain, ça va être chaud. Tous les ennemis sont invisibles. les boucliers ne rechargent que quand on tape les ennemis. Voilà. Donc, ce genre de truc. En gros, c'est... Pour bien vous niquer, il y a plein de crânes comme ça, donc là il y en a plus, en fait, quand on va sur le jeu, ils en ont rajouté depuis, avec les MCC, mais quand on fait le lasso de base, il y en a 14 de crânes, et c'est ce qu'on va faire de suite, on va lancer Halo 2, tout crâne activé, en lasso tout simplement, hein. Donc lasso qui veut dire tout simplement, en gros, comment dire, Legendary Old School Zone. En gros, légendaire, tout crâne activé, hein, voilà, rien de bien compliqué. Et donc, hop, lasso campaign, machin, on commence, sachant que, oui, on s'en fout, sachant que y aura la première mission qui est une cinématique et la deuxième qui est un tutoriel, que je vais un peu skipper. Moi, je vais les faire parce que je suis un peu obligé, mais voilà, je commence du début pour bien vous montrer que je commence du début, avec la playlist, etc. On est d'accord, j'ai choisi la playlist lasso. Et je ne vais pas changer, de toute façon vous allez très bien voir que je vais en chier. Alors pourquoi j'ai choisi Halo 2, de faire ça sur Halo 2? Tout simplement parce que pour ceux qui ne savent pas, on va passer les cinématiques, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, Halo 2 est le plus dur des Halo en légendaire, de très loin. Pas en héroïque il est faisable, largement, mais en légendaire ils ont complètement craqué du slip, et c'est littéralement horrible. Personnellement j'ai fait tous les Halo en légendaire, mais Halo 1 et Halo 2 je les ai pas fait en solo légendaire, j'étais obligé de les faire en coop. Alors là par contre, on va avoir du coup le petit tutoriel, ouais, donc là on peut toujours, hein, bien sûr, bah je mâche le bouton pour revenir en arrière. Allez vas-y, on s'en fout. Bon, vous savez quoi, nous on va se laisser là, je pense. Je finis vite fait de vous raconter ma petite histoire sur Halo 2 et ensuite je vous laisserai et puis on se retrouvera sur le jeu en lui-même. Ok, donc en gros, concrètement, Halo 2 est extrêmement difficile pour plusieurs raisons. Les snipers sont complètement cheatés, tout est complètement pété dans le légendaire et c'est horrible. Mais voilà, on va dire que à 2, on a réussi avec Playbox à le faire. Je dois avouer que ça a été très dur. Qu'on a mis. Ah là, d'accord, je viens de péter le jeu, ok. Non, allez, oui, c'est bon. Comment dire, avec Playbox, on a mis, je sais plus, on a mis deux grosses semaines pour le faire, Halo 2. Deux grosses semaines de vacances, donc on était tous les jours dessus. Donc c'était très dur. Et là, on va être tout seul en lasso, ça va être drôle. C'est la première fois que je tente, hein, le lasso sur Halo 2, donc ça va être rigolo. Et vous allez voir un petit peu ce que ça change. Ok, bon allez, c'est parti. Ah, sachant que j'ai plus de bouclier. Ah bah oui, puisqu'il faut que je tape les gens. Et du coup, là, il vient de m'enlever mon bouclier avec ça, et ça le recharge pas. Ça vous explique bien que, de base, le jeu, il est pas fait pour être fait en lasso, tu vois. Bon, c'est pas grave.
Donc là, il va falloir que je tape les ennemis. C'est vrai que j'ai pas du tout regardé les. Je peux regarder les crânes ou pas? Oui, je vais regarder les crânes vite fait. Donc, les ennemis tirent plus vite. Toutes les. D'accord, donc les ennemis sont tout le temps invisibles. Le bouclier se recharge quand je tape. Le HUD. D'accord, j'ai plus de HUD. Les ennemis. J'en lance plus de grenades. Les armes droppées par terre ont la moitié des munitions qu'ils sont censés avoir. Quand je tire sur un ennemi, disons qu'il reste tout droit en fait, il a plus d'animation comme s'il se faisait toucher. Ah, il y a quand même le. D'accord, il y a le Happy Birthday. Et quand on tire dans la tête des grunts, ça fait des confettis. Iron Death. Voilà, donc si je meurs, je reprends au début de la mission. Il y a plus de. Si, il y a plein de dialogues. Les ennemis ont plus de vie. La masse des objets est. En gros, les objets, ils vont partir dans tous les sens. Et c'est quoi ça? Increase enemy. Ah, d'accord, donc il me repère plus facilement. Et donc, un dernier. Tous les ennemis ont un rang supérieur. Donc voilà, en gros. Je vais en chier à un point. Je pense que j'ai même pas passé la première salle en fait. Parce que là, le souci, c'est que pour vous expliquer, là, j'ai pas de HUD en fait. Je vois pas mon bouclier, je vois rien. Donc ça va être un peu chaud. Donc, nous, sur ce, on se laisse là et on se dit à tout de suite pour, eh bien pour le vrai fight. Re pour le massacre. Donc, j'ai pas de HUD. Ça va être la merde. Donc on se retrouve tout simplement pour, eh bien pour commencer hein, cette petite vidéo. En fait, commencer parce qu'on est déjà pas mal de minutes, mais bon. Donc là, on va prendre. Ah ouais, d'accord. Mais en fait, je vois même. Non, mais c'est même. Je vois même pas mon arme en fait. Je vois rien. Là, j'ai une arme dans les mains en fait. Voilà. Donc là, je tire. Oh là 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 là. Ça va être horrible. Ça va être horrible. Voilà, donc là j'ai deux mitraillettes dans les mains. Oh là là là, ah ouais. Bon, je vais les lâcher parce que. Hop. Voilà, on va reprendre le BR. Ouais. Ça va vraiment pas être facile là. On va essayer. De toute façon, on est là pour ça. Et donc voilà, on peut un peu admirer vite fait le travail qui a été fait sur. Halo d'Anniversary, travail qui est parfois très intéressant, parfois moins intéressant. C'est vrai que ça aurait pu être mieux à certains moments, mais ça va. Alors, je vais essayer de faire comme les speedrunners. Je connais un petit comment les speedrunners un petit peu ils font ici. Et on peut peut-être essayer. Sauf que ça change. Si je meurs, c'est retour à case départ. Hein. Pourquoi je peux pas. D'accord, c'est pas grave. Oh putain, bah ils sont tous invisibles. Oh mon dieu, mais ça va être horrible. Meurs! Meurs! Ah! Ça va être n'importe quoi, mon dieu. En plus, je peux pas recharger mes boucliers là. Tant que je tape pas des gens. En gros, jamais quoi. Meurs, connard, putain. Mais c'est pas possible! Ils ont combien de vie? Putain. Allez, recharge, recharge, recharge. Oui, il est mort. On en a tué un. Bon, par contre, le bouclier, ça va être chaud là. Aïe, aïe, aïe. Et le souci, c'est que là, je sais pas du tout mon bouclier, comment. Ah. Toi. Toi, tu meurs. Allez. Allez, recharge. Ah merde, j'ai plus de balles. Putain, j'ai plus de balles. Et si je tape un pote, ça fait quoi? Ta gueule, donne-moi ton arme. Donne-moi ton arme, connard. Vite. Allez! J'en ai rien à foutre. Putain, même les alliés, ils ont plus de vie, oh. Oh là là là, merde. Mais du coup, j'ai pas d'arme. Et j'ai pas de grenade, j'ai rien. Ah, je vais mourir. Je vais mourir.
Oh là là, rien que la première salle, ça va être vraiment horrible. Oh putain. Mon dieu. Bah oui, voilà, à chaque fois, on recommence ici. Youpi. Le but vraiment de cette vidéo, ça va être de passer la première salle. Ce sera déjà pas mal. Non, ça c'est la mitraillette. On va la recharger. Voilà, ça c'est le BR, ok. Non, parce qu'il faut que je le retienne, parce que du coup, je vois rien, là. c'est vraiment abusé, quand même. Le lasso, putain. Finir le lasso tout seul, moi je dis GG, hein, parce que là, rien que la première salle, c'est chaud. Donc, franchement, là, pour le coup. Par contre, je vais retourner là-bas, c'était pas mal, au début. Le souci, c'est qu'après, j'avais plus de balles, et surtout, j'ai pas de grenades. Et il n'y a pas des grenades, là, dans le coin? Là, il y a des balles, ici, d'accord. Donc, si j'en ai plus, il faudra que je revienne là. Mais je crois que j'ai pas de grenade en fait. Ou alors j'ai peut-être pas du tout de grenade dans le jeu. Enfin dans l'assaut. Merde, 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 merde. Remonte, remonte, remonte. Ok. Ok, ok. On va se mettre là. Et on va les attendre. C'est vraiment chaud, chaud patate. Hein. En plus ils sont tout le temps invisibles ces connards. Toi tu meurs. Meurs! Allez. Allez. Putain, mais c'est pas possible. Il faut combien de chargeurs? Tu as un élite. Oui! J'en ai eu un. C'est la joie. Quand vous tuez quelqu'un en lasso, c'est magique. Enfin, un élite surtout, parce qu'apparemment les grunts, ça a l'air d'aller, mais les élites ont l'air d'être bien vénères. Il est mort? Non, il est pas mort, putain. Ah, j'ai plus de balles, putain, mais déjà. Ok, je l'ai eu avec la mitraillette. Ah, mais là, il faudrait que je retourne là-bas pour reprendre des munitions. Faut que je tue le grunt. Faut pas qu'il arrive à me toucher aussi. Heureusement, j'ai des potes avec moi qui détournent leur attention, là. Parce que s'ils étaient sur moi, je vous explique même pas le délire. Wow, 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 wow. Crève! Oui! Il y en a un qui est mort. Il est où l'autre? Allez! Ah putain, il y a encore des élites! Toute ma gueule! Oh là 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 là! Aïe! Vas-y, je me casse. Ah ouais, mais ils vont me voir là. Ah! Ah! Non, je ne suis pas là! J'ai plus de bouclier, je sais pas combien j'en suis là! Putain, faudrait que je tape quelqu'un. Le souci, c'est que je vite. Ah, si j'arrive à passer cette salle, les gars. En fait, il me faudrait vraiment des grenades. Je sais pas pourquoi j'en ai pas. Attendez, je vais vérifier, mais ça se trouve, je crois que je peux pas en avoir. Là. Ouais, ouais. Ouais. D'accord. Bah oui, mais du coup, je suis censé pouvoir avoir. Je suis censé pouvoir avoir des grenades là. Il n'y a rien qui dit que je peux pas avoir de grenades. Hein. À mon avis, c'est juste qu'il n'y en a pas ici. Et du coup. Du coup, ça pose problème. Parce que là, il n'y a pas des. Je veux des grenades, s'il vous plaît. Non. Non, il n'y a pas. Bon. Ah oui, donc la physique des objets, hein, c'est ça, en gros je peux un peu tout pousser n'importe comment. Voilà, le chapeau qui reste en l'air, stylé. Et là, ça je peux, non, ça je peux pas. Celui-là il est fixe. Ouais, bon, bref, attendez. Ok, ça c'est la mitraillette. Du coup, ça c'est le BR, ok, d'accord, c'est parti. Sachant que je vais tenter la méthode speedrun. On va tenter la méthode speedrun. Parce que le souci, c'est que là, là je n'arriverai pas. Là, hein. Concrètement, ça me paraît compliqué. Faut que je m'éloigne un peu. Parce que l'explosion, elle peut faire mal. Donc on va faire gaffe. Sachant que je sais pas si c'est très agréable pour vous de ne pas voir le flingue et tout. Les animations, etc. Moi, je dois avouer que ça fait un peu relou. Mais bon, en même temps, c'est pas trop le choix là. Genre il m'a vu! Genre il m'a vu! Putain, sa race! Ah! 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 Ah!
Mais c'est horrible! Comment vous voulez y arriver, putain? Oh là là! Ah ouais, mais là c'est même plus du challenge là, c'est juste impossible quoi. Je crois qu'on va aller essayer d'autres lassos parce que parce que celui-là ça va être difficilement faisable en fait. Y a pas un glitch? Genre bah non, hein, y a pas de glitch. Le seul moyen de passer là-bas, c'est vraiment de passer en mode rapide comme j'ai essayé de le faire, mais c'est impossible quoi. Enfin, c'est possible sans doute, mais ça doit être possible pour certains types de personnes, genre les Coréens. Mais bon, je crois que moi ça va pas trop le faire en fait. On va retenter un petit peu, mais si on voit que ça marche pas, on ira essayer un autre lasso pour comparer. Parce que là, c'est vrai que pour le coup, c'est un peu la défaite là. Ça pue la défaite, comme on dit. En plus, j'ai pas de grenade, hein, j'ai vraiment rien du tout. Pire, je peux essayer de tuer tout le monde, mais le souci c'est que j'ai pas assez de balles à chaque fois. Donc ça peut être embêtant. Non, non, non! Ah ouais, m'a niqué quoi. Il m'a défoncé. Bon, allez, on retente une fois. Si ça marche pas, on. On va pas craquer non plus. On va. Au pire, je ferai une ellipse jusqu'à ce que j'arrive. Ou pas. Je sais pas. On verra si j'ai la foi ou pas de faire ça. Y a pas des grenades là? Putain, y a rien du tout. Ah mais ça se trouve ça lance des grenades en fait. Non? Non, ça lance que dalle. C'est vrai que j'avais oublié le fait que je voyais pas mon HUD. Ah merde, c'est une mitraillette. Ok, il est mort. Ok. Faut peut-être que j'utilise la mitraillette en fait. Elle a l'air de bien marcher. Hein. Merde, j'ai une épée. D'où il y a une épée? Faut le niquer lui. Quoique à mon avis, les épées ils sont pas plus dangereux que les autres. Hein. Les autres sont déjà tellement what the fuck. Oui, il est mort. Ok, lui c'est un grunt. Ok. En bas il y a des grunts. Fais attention. J'ai un succès là. D'accord, ok. 10 000 médailles en solo. C'est fait! Ah putain, putain, putain! Calmez-vous! J'ai plus de bouclier là. Merde, 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 recharge, recharge, recharge. Je vois personne en fait. Non! Enculé de grunt! Non! Putain, on était bien là! Allez, on retente une fois. On retente une fois parce que là, j'avais l'impression que ça commençait à devenir un peu mieux là. Putain, c'est horriblement difficile. Bon, sur ce, on a vu, ben voilà, vous voyez à quel point c'est dur. Si jamais vous avez envie de, vous avez envie de voir une sorte de série sur Halo 2 où j'essaye de faire l'émission en lasso, dites-le moi, parce que je le ferai et je le ferai pas comme ça, c'est-à-dire que là je le fais en live, mais ce que je ferai c'est que je fais des grosses coupures jusqu'à ce que j'y arrive. Alors, si jamais j'arrive pas à une mission, bah, je passe à la suivante, etc. On va pas faire ça non plus en mode. Enfin voilà, je veux dire, il y a un moment donné, je sais que j'arriverai jamais à faire tout le jeu comme ça. Genre, me demandez pas de faire le Gravemind, donc la mission le Fossoyeur en lasso, hein, ça n'arrivera pas. Mais bon, voilà, on peut toujours essayer. Donc maintenant, nous sur ce, on va quitter. Enfin, je vais quitter, je vais aller sur un autre lasso et puis on se dit à tout de suite. Je vais retenter une fois moi comme ça, mais sans commenter. Et donc voilà, donc on se dit à tout de suite pour un autre lasso, très rapide, c'est histoire de comparer un petit peu, et donc voilà, à tout de suite.
Et donc on se retrouve eh bien sur Halo 4 tout simplement pour le lasso du début du jeu. Alors pourquoi je fais le lasso d'Halo 4 bah, tout simplement parce que ça, en y repensant, ça fait pas mal penser à la première mission d'Halo 2. Et du coup bah, tout simplement on va regarder ça ensemble. Putain, ce jeu est vraiment très 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 joli quand même. C'est vraiment impressionnant. Mais en tout cas voilà, on va tout simplement essayer ça. Je pense que ce sera largement plus simple. Déjà, j'ai vu qu'on voyait nos pieds. Donc à mon avis, on verra notre arme. Quoique, attendez. Ah non, non, on ne voit pas notre arme. Non, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais on voit quand même nos pieds. Donc ça va, c'est cool. Parce que c'était un peu relou de ne pas voir les pieds dans le 2. Mais donc, on voit pas nos armes. Et est-ce que les ennemis... Non, les ennemis, c'est plus tard. Hein. Je sais plus en fait. Je sais même pas où on est. Ouais, là, c'est vrai que j'ai commencé du début, j'aurais pu vous... On aurait pu commencer quand les ennemis seraient là, mais bon, c'est pas trop, trop grave, sachant qu'il y aura un petit QTE, là, et le souci, c'est que... Je sais plus le bouton. Donc, c'est pas grave, écoutez, ça devrait pas être... Ah, ça doit être X, ouais, c'est ça, c'est X. Hop, boum, allez, petite séquence QTE, et ensuite, voilà, on va essayer de faire cette mission, rapidement, en légendaire, enfin, en lasso, plutôt. Oui, j'ai pas montré, hein, mais voilà, je suis dans l'assaut. Hein, il y a les 13 crânes activés ici. Aucun. Voilà, je ne vous trompe pas. Et du coup, voilà, on va pas regarder en détail ce que c'est, en précisément les crânes. On va dire que c'est pas si important que ça. Ok. Allez. Avance. Bon, là, honnêtement, il n'y a rien de compliqué ici. Il suffit de suivre la direction de la tête de Chief. Et là, je suppose. Il faut faire X. Alors je vais faire X. J'espère que c'est X. C'était pas ça. Mais je sais pas moi quel bouton il faut appuyer, merde. Attendez, quel bouton ça pourrait être? Ah non, c'est taper. Oh non. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah mais faut pas mourir en fait là. À chaque fois, on se tape le script. Ok. Donc, on est toujours en légendaire, l'assaut. Hein, voilà, je vous montre vite fait. Et on arrive face aux premiers ennemis. Et tout simplement, si je meurs, c'est la merde. Parce que si je meurs, tout simplement, je dois me retaper tout le script. Ce que j'ai pas trop envie de faire, honnêtement. Donc, on va essayer de faire gaffe. Aïe, c'est pas moi. C'est pas moi, j'ai dit. Meurs. Ah, là, on a des grenades, ça va. Ah. Ah. Ah, il y a du monde. Je me casse. J'ai pas un magnum. Ah, si, j'ai un magnum. Voilà. Là, on s'entend. Là, on va pouvoir les tuer facile. Tiens. Voilà. Désolé, je parle pas beaucoup. J'ai plus de balles, ok. C'est con. Ok, ça faut pas que je me le prenne. Là, il y a de la balle. Ah, il y a de la grenade et tout, là. On va pas se priver. Ils sont pas morts. Putain, mais il leur en faut combien hein. Ah non. Oh, aïe. Genre, je me bats avec des grognards et c'est dur. Enfin, c'est pas dur pour l'instant, mais j'ai l'impression... Enfin, j'ai pas envie de prendre des tirs, donc je fais gaffe. Parce que je sais pas du tout ce qui se passe, en fait, quand j'ai plus de bouclier. Si ça recharge ou si je dois les taper, comme dans les autres. J'ai pas fait gaffe. Il y en a un qui est mort, là. Mais, hey, mais ils ont combien de vie, là? Aïe. Tiens. What? Un chargeur. Deux chargeurs. Noob, là, faut absolument prendre le pistolet plasma. Et il me faudrait aussi le magnum. Malheureusement, je l'ai pas. Ok, on va avancer un petit peu. Dès que je meurs, j'arrête hein, la vidéo. C'est juste pour vous montrer un petit peu la différence avec Halo 2. C'est largement plus faisable, je pense, parce que tout simplement, le jeu est beaucoup plus facile en légendaire.
Et puis voilà, il y a plus de balles. Au niveau des crânes, je pense qu'il y a des trucs qui sont un peu moins bâtards, mais à mon avis, c'est quand même pas le tip top. Ah non, c'est ça, il faut que je tape les ennemis hein, pour récupérer mon bouclier. Non! Pas ça, pas ça, pas ça. Je veux mon arme. Voilà, je voulais appuyer sur le bouton. Putain. Il n'y a pas. Ah! Voilà, Magnum plus pistolet plasma, on est parfait. On est parfait. Faudra juste que je sache. C'est ce qui est bien, comme on a une ombre. Regardez, là je peux savoir que j'ai le Magnum. Si j'arrive, voilà. Et là, hop, j'ai le pistolet plasma. Donc c'est plutôt pratique. Sachant que là, on va tout simplement activer ça. Par contre, là, c'est bien qu'il y a des ennemis qui arrivent là. Je sais plus, on va essayer de faire ça, sachant que ouais, cette vidéo va durer un petit peu longtemps du coup. Oups. Bon là par contre, ça là-bas c'est moche. Mais c'est pas grave, là c'est joli. Est-ce que... Merde. Merde, j'avais oublié. J'avais oublié. Ça va être problématique cette histoire. Ah! Je m'en vais! Ah! Ah, j'ai plus de. J'avais plus de balles! Il y avait déjà plus de balles, j'ai tiré une boule! Putain! Bon! Et ben voilà, c'était le lasso, regardez où ça me reprend! Au début! C'est horrible! C'est horrible! Bon, on va retourner sur le menu du jeu parce qu'on va pas. On va tout simplement pas continuer. Donc voilà, je vous remercie pour regarder cette vidéo qui sert un peu à rien, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu le lasso sur Halo, ce que ça donnait, à quel point c'est difficile et à quel point c'est juste pour les tarés de la tête. Hein, voilà. En coop, il y a moyen que ça passe. Genre pour faire la première mission d'Halo 2 par exemple, ça pourrait passer. Et encore. Mais bon, après, avec les snipers et tout, j'ai même pas envie d'y penser tellement. Tellement ça fait juste froid dans le dos. Donc voilà, vous avez, si vous avez la MCC, il vous suffit d'aller dans les playlists. Et dans tous les Halo, il y a tout simplement la première playlist, c'est l'Assaut Campaign, donc, ou la campagne l'Assaut, je pense que ça s'appelle en français. Et voilà, cette campagne l'Assaut, bah tout simplement, c'est ce que je viens de faire, quoi, avec tous les crânes, enfin les crânes activés, donc les crânes qui étaient dans le jeu de base, les crânes négatifs, bah, pas forcément que l'écran négatif, parce que voilà le truc où les feux d'artifice et tout, enfin tous les confettis plutôt sur les grunts, ça c'est pas vraiment négatif, mais bon, il n'y a pas de scrane positif à proprement parler. Et donc voilà, sachant que là je pense pas qu'il y ait de l'assaut en cross game. Là c'est du normal. Il n'y a rien en cross game en légendaire ici. D'accord, donc ça c'est les morceaux en légendaire les plus. Les plus joués, j'ai l'impression. Ouais. Mais non, il n'y a pas de. Ah, si, il y a juste la saga en légendaire. Ah, si, avec les crânes. C'est possible que ce soit en lasso, ça. Oui, tout le jeu en lasso. Je sais pas. Parce que là, il y a 24 crânes, donc ça me paraît bizarre. Ah, mais non, ça dépend des jeux. Bah, si, voilà, alors ça doit être du lasso. J'imagine. C'est pas marqué dessus, alors je pourrais pas vous dire. Mais enfin bref, sur ce, nous on va arrêter de s'étaler. Et donc je vous remercie pour regarder cette vidéo sur Halo The Master Chief Collection qui donc voilà, vous présente un petit peu le lasso. Libre à vous d'aller essayer. Et nous sur ce, on se donne rendez-vous à d'autres. Comment dire? On se donne rendez-vous à la prochaine pour d'autres vidéos, j'ai un petit bug. Si vous avez envie de voir plus de lasso, dites-le moi. Et puis voilà. Donc sur ce, merci à tous et puis à la prochaine. Allez, salut!